Nous sommes mardi, bienvenue pour la quotidienne du 27 avril en trois parties comme d'habitude. En actu, à Nyon, quel avenir pour la politique culturelle de Nyon 2021-2026 ? On en parle avec la municipale en charge de la culture, bien sûr, Fabienne Frémont-Contonne. De l'actu, on passe au sport avec Alexandre Caporal qui s'intéresse aujourd'hui à la voile, alors que la plupart des athlètes du pays attendent encore de savoir ou non s'ils participeront au JO, le navigateur de Versoix, Lucien Cugent, sera bien à Tokyo cet été en compagnie de son binôme Sébastien Schneider. Du sport, on passe à la culture et retour dans les salles de cinéma. On en parle avec Patrick Dantan, programmateur des salles de cinéma, mais aussi Adèle Ben Farhart, gérant du Capitole à Nyon. Sortez vos pop-corns. Ah non, on n'a pas le droit, mais bon, une petite séance en petit comité, ça vaut bien la peine d'en parler. À Nyon, quel avenir pour la politique culturelle 2021-2026 ? On en discute avec la municipale en charge de la culture, bien sûr. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, si on en discute aujourd'hui, c'est parce que vous avez établit ce document, Nyon Culture, à l'intérieur un état des lieux, les axes stratégiques et les objectifs pour la culture à Nyon. Pourquoi est-ce que ce document arrive maintenant, Fabienne Frémont-Contonne ? Ah, il arrive maintenant, il aurait pu arriver il y a longtemps, parce que Nyon a une politique culturelle qui est implicite, qui existe depuis toujours. On sait tous que Nyon est une ville de culture, qu'elle rayonne, qu'elle a un tissu culturel foisonnant. Ceci dit, il n'y avait jamais vraiment le temps de formaliser les choses. Ben, là, on a voulu le faire, il était temps de fédérer les diverses autorités, de municipalités, conseils communaux, avec les acteurs et actrices culturelles et d'informer le public. Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est une forme d'adieu finalement ? Parce qu'on sait que vous ne vous êtes pas représenté en tant que candidate à la future législature, les élections ont eu lieu. Est-ce que c'est une forme d'adieu ce document ? Non, c'est le contraire. Tout est possible, tout devient possible. C'est parce qu'on permet justement, en écrivant les choses à des personnes de se positionner et de dire ben, il faudra en faire encore plus ci, encore plus ça, peut-être moins ça. Et puis à partir de là, ben, c'est un cadre qu'on donne. En ayant évidemment travaillé avec les acteurs et actrices culturelles et les successeurs de municipalités ou à mon poste pourront prioriser, faire plus, faire moins, tout est possible. Mais encore une fois, ça peut paraître surprenant que vous, Fabienne Frémont-Contonne, qui ne serez pas au sein de la future municipalité, posiez ce cadre 2021-2026. Alors c'est un cadre que je dirais qu'un autre ou une autre municipale de la culture ferait aussi, parce que là on part d'un état des lieux, donc c'est un existant, c'est un milieu culturel que nous connaissons bien, qui existe tel qu'il est. Et après, on parle sur les tendances actuelles dans le monde de la culture, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Les tendances, elles sont là pour tout le monde. Et puis après, ben, c'est tout ce qu'on peut développer à Nyon, et ces axes-là, ces développements possibles, ont été testés avec les acteurs et actrices culturelles de Nyon. Donc voilà, il y a toute une série de possibles, énormément d'axes possibles de développement. Et après, les priorités, elles seront fixées par la prochaine municipalité et les prochaines autorités. Oui, on parlera de ces politiques culturelles d'ici un petit instant. Puisqu'on a ouvert ce volet élection, j'aimerais y rester encore un petit moment. Alors, vous avez fait trois mandats au sein de la municipalité, Fabienne Frémont-Contonne. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi justement de vous représenter ? Alors, pour dire la vérité, ce n'était pas une décision simple, parce que je suis quelqu'un d'absolument passionné, très engagé, qui adore encore mes mandats et la politique. Mais disons que ça fait 15 ans là que je suis municipale. Je dirais que je connais vraiment bien les choses, comment ça fonctionne. Et en très résumé, j'ai une dizaine d'années de vie professionnelle devant moi. J'avais envie de nouveaux défis, d'autres horizons, peut-être ailleurs, d'autres sujets et d'autres fonctionnements. C'était le bon moment. Mmh. Et puis un très bon moment vu que les élections ont fait émerger des personnes jeunes. Il y aura des jeunes municipaux à la municipalité, c'est très très bien. Oui, sur ce plateau, le 3 novembre, le syndic Daniel Rossella nous expliquait que votre non-candidature avait un lien avec la sienne. Autrement dit, que s'il ne s'était pas présenté, vous y seriez allé parce que votre objectif, c'était d'être la première syndic de la ville de Nyon. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je sais pas. Non, j'ai jamais fonctionné par objectif. J'ai toujours fonctionné par opportunité.
Et il y a des opportunités qui se présentent, puis d'autres pas. Et puis, si on est engagé, pour faire un très résumé, c'est comme ça que je vis mon engagement, si on est engagé pour un monde meilleur, ben, il y a mille façons de faire en sorte que ce monde devienne meilleur. Donc, il y a un biais politique, municipal, et là, ça sera probablement pour moi le biais de mandats, de différents mandats dans différentes fondations, ou de sociétés ou d'associations. Ouais, faire de la politique culturelle autrement que par la politique. Maintenant que cette municipalité a basculé à gauche, est-ce que, selon vous, ce sera plus facile pour la culture ? Oui et non, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a comment dire, la culture et la gauche, c'est une grande histoire d'amour. Mais il faut continuer à convaincre. Et puis, c'est en fait l'essentiel de ce document de politique culturelle, c'est qu'il faut fédérer tout le monde, y compris, on dit, les adolescents, y compris des gens qui habitent au nord de la ville, y compris des gens qui se disent absolument allergiques à la culture. Il faut aller chercher, tirer tout le monde. Donc, c'est sortir de son cercle habituel, réfléchir autrement, travailler avec les autres. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose aussi que, évidemment, les gens de la gauche sont capables de faire, ouais. mais peut-être ça sera un bon travail. Quoi. Ouais. Est-ce que, à votre avis, qui serait le bon futur municipal en charge de la culture ? Alors la jokerie, je pense qu'ils seront. Celui ou celle qui sera municipal de la culture sera sans aucun doute passionné et prendra un service. Est-ce que l'un ou l'autre est déjà venu vous en parler ? Non, personne. D'accord. Non. Donc tout reste ouvert, ouais. Ou en tout cas, c'est un secret de polichinelle à voir ou pas. On va décortiquer un petit peu ce document ensemble, si vous le voulez bien. Voilà, 3 axes, 11 objectifs. On sait que l'un des objectifs, vous me direz si c'est vrai ou pas, c'est notamment faire concurrence aux villes de Lausanne et de Genève. Alors les budgets n'ont rien à voir. Pour la culture à Nyon, le budget 2020 du service de la culture représente 3% du budget communal, 215 millions. Pour la culture, c'est 6 millions. Comment est-ce qu'on concurrence Lausanne et Genève, sachant que Genève, par exemple, c'est un budget de 300 millions. Donc on n'est pas du tout dans la même fourchette. Hein. Non, alors c'est clair qu'on ne va pas développer un nouvel opéra à Nyon. Mais j'aimerais pas parler de concurrence, mais on va compléter une certaine offre. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit aussi, ça ressort très clairement de ce document, c'est qu'on n'est pas excellent dans la création à Nyon. On diffuse, on produit des choses, on peut aller à des spectacles, on peut aller à des concerts, mais il y a encore peu de création. Et à Lausanne et à Genève, il manque de lieux où on peut développer justement des créations. Donc là, on a une très très jolie, manche à jouer, opportunité, ouais. Où en faisant de la création à Nyon, on peut aussi diffuser ces créations made in Nyon dans nos diverses salles. Et l'usine à gaz, qui va bientôt être inaugurée en septembre dernier, va offrir aussi un terrain de jeu magnifique, soit pour des créations, soit pour des diffusions. Et puis ce qu'on a voulu à la municipalité, le conseil communal, c'est que l'usine à gaz, qui était un acteur d'importance locale, bel acteur qui a fait des magnifiques choses, vraiment rayonne maintenant à un niveau lémanique, voire plus. On donne les moyens, des infrastructures magnifiques, vous allez voir, c'est superbe. Et aussi par les budgets, donner les moyens pour pouvoir attirer des publics de renom, Vevey ou Genève. Ouais, vous avez cité certaines des faiblesses, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une réelle étude du marché, les forces, les faiblesses, les opportunités, les risques. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre un petit onglet, dans l'onglet l'aspect risque, enjeux sociétaux, on peut lire accélération des mouvements critiques LGBT, post-colonialisme, pas facile à dire, post-colonialisme, écologie critique et nouveau féminisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il y a des enjeux sociétaux qui sont ressortis très fort de par notre radiographie, hein, qui sont ressortis aussi quand on a interrogé nos acteurs et actrices culturelles. C'est que les enjeux de développement durable, d'avoir une culture qui soit aussi propre, point de vue environnemental, toutes les questions des minorités à prendre en compte, des minorités de genre, hein, etc., etc. Toutes les questions d'éthique aussi, par rapport aux sociétés à deux, troisième vitesse, que d'ailleurs le Covid a encore faire sortir plus. Ces enjeux, c'est des opportunités.
c'est des opportunités pour penser la culture autrement, pour la faire entrer dans ces choses-là. Mais ça peut être aussi des risques, dans le sens qu'on peut entendre des discours qui sont absolus, qui sont absolument radicaux, dans le sens qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je pense comme ci, je pense comme ça, et donc j'ai raison. Et comme nous entendons la culture, et je pense que comme la culture, elle est entendue plus ou moins généralement, la culture doit être un lieu où on est interpellé, où on échange, on discute, on débat. Mais si je lis entre les lignes, Fabienne Frémont-Condène, est-ce que ça veut dire que certains acteurs culturels de Nyon, aujourd'hui, utilisent leur combat pour revendiquer leurs idées au niveau culturel ? Non, c'est pas ce qui est indiqué là. C'est des risques globaux, et c'est des risques globaux qu'on reconnaîtra à Lausanne, à Genève, pour citer les villes que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc on a un rôle actif à jouer en tant qu'acteur culturel global et évidemment institution telle que la ville, à faire en sorte que les gens continuent à se parler, à débattre et à progresser dans le débat. Très bien. Alors on peut lire notamment ces trois axes, ces 11 objectifs. Alors sans les citer toutes dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment fort qui ressort ? Alors je vous ai déjà dit qu'il y a tous ces éléments, enfin vous voyez la page, là peut-être le public le voit, c'est énormément de petites lettres, tout est possible, énormément tout est possible dans ceci. Évidemment il y a des éléments qui sont plus chers à mon cœur, mais qui ne seront pas forcément partagés par mes successeurs. Mais ce seraient lesquels, ceux qui sont chers à votre cœur ? Je pense qu'on a vraiment, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément évidemment de faire en sorte que tous les publics, ce que je disais tout à l'heure, tous les publics puissent participer en fait à la vie culturelle de Nyon. On voit qu'il y a un manque, hein, notamment pour les 16-25 ans. Ouais, 16-25 Là, c'est une manière de faire la culture autrement. Ça passerait par quoi, selon vous ? Alors, c'est repenser. Enfin, on a commencé à le faire, par exemple, par les escape rooms au château, qui sont adaptés à des publics d'adolescents. C'est ce genre d'œuvre, peut-être au niveau des bibliothèques, au niveau de l'usine à gaz, à suivre aussi, qui devrait coller plus à ce public-là. Il y a aussi notre culture, elle est très fortement positionnée au sud des voies ferrées, beaucoup moins au nord de la ville. Donc il y a quelque chose à développer, notamment par l'art dans l'espace public. On l'a commencé justement plutôt au sud de la ville, il faut le continuer au nord. Donc ça c'est un axe, un extrait fort que je sens qu'il faut développer. Un axe que je sens très fort aussi, qui constitue l'âme de Nyon, c'est l'âme romaine, l'âme patrimoniale de Nyon. On est une ville bimillénaire, c'est rare en Suisse, c'est même rare en Europe. Et il y a quelque chose décidément à faire avec notre amphithéâtre en tant qu'espace public, mais aussi lieu où on peut comprendre notre passé. On a l'impression que c'est un peu l'ère du changement, hein, parce que c'est vrai que la conservatrice du musée romain va aussi quitter ses fonctions tout prochainement. On a l'impression que finalement, entre vous qui quittez votre poste de municipal, ces acteurs clés qui changent, que ça va être l'ère du changement pour l'avenir à Nyon au niveau culturel. Oui, alors l'ère du changement, oui et non, parce qu'il y a une continuité. Ce document montre que juste nouveaux les grands axes, donc je ne pense pas que des nouveaux axes vont être inventés, mais peut-être que des priorités ou des manières de diffuser la culture ou des manières de produire la culture, comme je le disais tout à l'heure, point de vue écologique ou éthique, ça peut changer. On a commencé, mais ça ne peut qu'aller vers le plus. Ouais, j'imagine qu'on continuera à vous voir dans les musées et dans les salles de spectacle lyonnaises, Fabienne Frémont-Condène. Décidément, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci de m'avoir accueilli. Bonne suite. Alors que la plupart des athlètes de la région attendent encore de connaître leur sort pour les Jeux Olympiques, lui est déjà fixé sur le sien depuis bien longtemps. Le navigateur de Versoix, Lucien Cujan, sera bien du côté de Tokyo cet été pour représenter la Suisse en voile, en 49R, en binôme avec Sébastien Schneider. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors bravo déjà pour la qualification, même si ça fait depuis plus d'un an déjà que tu es au courant de cette qualification. Alors comme j'ai dit que la plupart attendent encore de savoir s'ils pourront partir cet été, comment ça se fait que toi, avec Sébastien, enfin que tous les deux, vous soyez déjà fixés là-dessus ? Écoutez, c'est un objectif qu'on s'était mis il y a longtemps. Ça fait 7 ans qu'on navigue ensemble dans cet objectif de faire une performance aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et pour ça, les Jeux Olympiques en voile, c'est des différentes étapes. C'est un représentant par nation.
Donc il y a eu cette première étape de sélection de nation qui s'est faite pour nous en 2018 lors des championnats du monde de Aarhus, où avec Sébastien, nous avons fini 10e au classement général et 9e nation, ce qui nous a permis de sélectionner la Suisse pour ces Jeux olympiques. Donc c'est quoi? C'est que les qualificatifs pour votre discipline, elle s'est faite plus tôt ou bien c'est que vous avez fait des résultats performants plus rapidement que les autres? Je dirais qu'on a eu la chance de bénéficier de ces sélections relativement tôt. Et notamment, on a eu aussi une planification assez parfaite jusqu'en 2019, début 2020, qui n'a pas été bousculée par le Covid-19. Mmh. Donc on va parler bien entendu du fait que les JO ont été repoussés en 2021. Donc du coup, pour cet été, donc, je l'ai dit, tu seras du côté de Tokyo. Combien de nations sont représentées en 49R? Vous allez disputer ça contre combien de binômes? Alors dans notre série, on est, il me semble, 20 nations à confirmer. C'est normalement le chiffre de 20 équipages, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on a l'habitude de naviguer entre 35 et 60 bateaux sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Donc là, c'est vraiment les 20 meilleures nations qui seront là-bas à Tokyo. L'objectif à Tokyo, c'est quoi? C'est de ramener une médaille. On sait que le top 8, vous l'avez fait du coup au Mondiaux en 2018, top 12 au Mondiaux en 2020. Là, du coup, c'est vraiment d'arriver à vous surpasser pour obtenir la médaille. Comment vous allez faire? Bah, écoutez, oui, c'est l'objectif de Sébastien et moi et de notre équipe, le Team Tilt. Ça a toujours été de performer aux Jeux Olympiques, de rapporter une médaille pour la Suisse. Ça fait, pour vous dire, un peu plus de 55 ans qu'il n'y a pas eu de médaille en voile olympique. Et ce serait un bel hommage et une belle performance sportive pour nous. Ouais. Le 49R, on voit les images là. C'est quoi exactement? Quelle est la différence avec les autres types de voiles et de bateaux? Bah, écoutez, c'est un dériveur d'un peu, tout petit peu moins de 5 mètres de long. Par 2,55 de large, et on est tout le temps en instabilité, toujours debout, à manœuvrer une coordination entre Sébastien et moi qui doit être irréprochable et bien minutée. Et c'est ce qui fait la beauté de cette série. Il faut bien se connaître, hein, le binôme, il faut bien le choisir aussi. Ça fait depuis 2014 que vous naviguez ensemble, c'est ça, hein? Exactement, ça fait depuis 2014 qu'on navigue ensemble sur le 49er. Ouais. Il y a eu les JO de Rio aussi, du coup. Et puis, c'était quoi déjà, 13e place, il me semble? Une 13e place à Rio. Ouais. Donc, content quand même d'avoir participé aux JO de Rio, mais là, Tokyo, les objectifs sont réévalués, on va dire. Exactement. Ben, c'est un petit peu… l'objectif, c'est surtout de réussir à entrer dans cette medal race, ils appellent ça, cette course aux 10 premiers, qui est en fin de championnat. Et on espère arriver dans cette medal race avec… suffisamment d'avance ou, je dirais, des points relativement proches pour le podium. Quel préparatif ça demande, les Jeux Olympiques, étant donné pour cela, surtout, qu'il y a eu le décalage d'un an, enfin le fait que ça a été annulé en 2020, et puis par exemple aussi le fait que vous êtes fixé sur votre sort depuis plus d'un an. Donc du coup, contrairement à pas mal d'athlètes qui se disent bah, « nous, l'objectif, c'est se qualifier pour Tokyo », vous avez déjà cet objectif en tête, ça change quoi mentalement ? Oh, vous savez, je pense que d'une part, ça a permis à Sébastien et moi de peaufiner certaines choses, d'avoir une année supplémentaire. Donc on a toujours pris ça comme un plus plutôt c'est plus bénéfique, en fait, qu'autre chose. Mmh. Et je dirais, en fait, comme c'est un sport matériel, il y a aussi cette contrainte de l'usure du matériel qu'on n'avait peut-être pas prévu de faire des rachats sur certaines voiles ou même la coque. Et du coup, aujourd'hui, fin avril, on est plutôt content parce qu'on a le matériel qu'il faut pour envoyer au Japon, qui est déjà parti en fait la semaine passée. Mais surtout, on est confiant pour être performant lors de les premières courses du mois de juillet. Comment on fait en tant que sportif et en tant que navigateur quand on se fixe un objectif comme ça de longue date, hein, c'est-à-dire que Tokyo, vous l'avez dans le viseur depuis un bon moment, vous vous êtes dit 2020, ce sera l'année vraiment où vous pensez que vous aurez vraiment franchi plusieurs paliers, plusieurs étapes pour justement arriver à obtenir une médaille. Comment on gère l'attente et puis potentiellement l'annulation des Jeux Olympiques, le décalage d'un an? Comment on gère tout ça? Vous savez, je pense que…
On a toujours, sur 7 ans, on a toujours planifié chaque année. Je dirais pas minuté, mais chaque jour, on savait plus ou moins qu'est-ce qu'on devait faire. Ce report des JO, ça a été juste une nouvelle planification et savoir un petit peu aussi vivre chaque jour au 100% de ce qu'on pouvait faire, en sachant qu'on n'a pas vraiment de lendemain défini. Et du coup, ça nous a fait mûrir en tant qu'équipe, mais aussi à prendre les choses telles qu'elles viennent et se dire, si on arrive cet été déjà à Tokyo, à l'aéroport, ouais, avec notre container, ce sera déjà une bonne étape de franchie. Et après, je pense qu'une fois sur place, ce sera certes tous ces protocoles à suivre, mais que du bonheur et on se réjouit d'en découdre. Donc Lucien, on y croit à Tokyo cet été ? Il faut y croire, ouais, c'est sûr. Et je pense que ça devrait être sur la bonne voie, en tout cas. On espère que ça aura lieu, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Mmh. On va croiser les doigts. Les prochains défis pour toi, pour vous deux, avec Sébastien, qu'est-ce que ça va être justement avant Tokyo ? Il y a encore des phases d'entraînement ? Exactement. Il y a les prochains défis, là, c'est de nous rendre en Espagne à la fin de la semaine pour des entraînements avec les 10 meilleures nations qui nous attendent là-bas. On s'est 3 semaines d'entraînement intensif du côté de Santander, pas loin de Bilbao. Et justement, on a planifié aussi le matériel pour là-bas. Donc, c'est pas mal de logistique qu'on a dû résoudre avant. Et ensuite, après ça, c'est la dernière ligne droite pour Tokyo. Donc, une fois qu'on aura fait ce dernier bloc d'entraînement, je dirais que l'objectif, c'est vraiment de masteriser ces entraînements, quitte à casser encore des choses ou même au point de vue humain de se connaître encore mieux et se mettre en difficulté là-bas. Ces camps d'entraînement, ouais, justement, j'allais te dire, c'est une épreuve mentale, j'imagine, parce qu'à quelques semaines des JO, en fonction de la manière dont vous allez naviguer pendant ces jours-là, ça peut redéfinir votre mental, à savoir peut-être une certaine confiance si vous arrivez à performer par rapport à ces autres équipes. Et puis si vous êtes un peu en dessous, peut-être aussi une baisse de morale et de confiance. Je pense que dans les 2 cas de figure, on sera prêt à réagir. On a suffisamment d'entraîneurs et de coachs, de managers qui sont là autour de nous pour vraiment nous conseiller au mieux. Et on travaille aussi sur le mental avec un spécialiste à Genève. Et je pense que peu importe le cas de figure qu'on rencontrera sur ces 3 semaines d'entraînement à Santander, on sera assez prêt pour réagir et en tirer que du bénéfique. Ouais. Merci beaucoup Lucien Cujan d'avoir été avec nous sur NRTV. Et du coup, on te souhaite le meilleur pour les JO et puis ramène-nous une médaille. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. À bientôt, ouais. Salut. Les salles de cinéma déconfinent, petit tour d'horizon, des sorties et des films à l'affiche avec Patrick Dantan, programmateur de cinéma. Bonjour Patrick, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avec nous également Adèle Benfarart, gérante du Capitole à Nyon. Bonjour Adèle, merci bonjour. Beaucoup, ça fait plaisir de vous revoir et surtout de revenir chez vous au Capitole à Nyon. Mais avant de parler de programmation, ce retour au cinéma, est-ce que c'était un peu synonyme de casse-tête pour vous ? Alors, c'était déjà la surprise, ouais. Hein, on ne s'entendait pas qu'on va rouvrir aussi rapidement, hein, on va dire entre guillemets. Hein. On a eu un peu la chance avec Vision de Réel, l'organisation de Vision de Réel et tout ça, on nous a laissé le temps pour se préparer au niveau de programmation, les sélections du film. Ouais, ça vous a permis d'ouvrir un peu petit à petit, c'est-à-dire que Vision du Réel a pu projeter des documentaires en salle, donc c'était l'ouverture des salles, remettre tout en place, j'imagine, avant de passer à la programmation. Voilà, exactement. Ouais. Comme c'est Vision de Réel qui gérait tout, hein, nous, juste à mettre le matériel de cinéma à disposition, les clés, exactement. Et c'est eux qui gèrent tout. Ça nous a laissé le temps pour s'organiser, se préparer pour l'ouverture au grand public. Ouais, c'est là que Patrick Dantan rentre sur scène, toute la lumière est sur vous, parce que vendredi, l'ouverture des salles, justement. Comment est-ce que vous avez préparé cette ouverture, Patrick ? Un petit peu avec... j'étais content aussi qu'il y ait Vision du Réel qui soit là, de manière à ce qu'il y ait justement un peu de respiration, puis qu'on puisse faire un petit peu un choix sur plusieurs semaines de films qui étaient disponibles. Hein. Ça a mis un petit délai aussi par rapport aux films qui pouvaient arriver. Donc j'étais content d'avoir ce délai-là. Et puis après, je me suis lancé dans une programmation avec... je crois qu'il y a vraiment beaucoup de bons films. Je me suis dit, ce qui va compter maintenant pour les cinéphiles, c'est la qualité.
c'est de venir au cinéma et de se dire là, j'ai vécu une expérience avec ce film. J'ai vu quelque chose de beau. Parce que finalement, Patrick, notre rapport, tu me diras si je dis juste ou pas, mais notre rapport au cinéma, il change un peu. Parce qu'on ne vient plus au cinéma, Adèle, pour pouvoir consommer, pas le droit au pop-corn, pas le droit de boire. Donc, nos rapports au cinéma, ils changent un peu. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut miser tout sur la qualité du film. Ben, là, en l'occurrence, il n'y a que le film hein, pour les gens qui viennent, puisqu'effectivement, il n'y a pas de bar, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est juste le film. Moi, ce que je pense aussi, c'est que quand on vit une belle expérience au cinéma, on va avoir envie de revenir. On va devenir cinéphile. Donc, c'est peut-être un petit peu notre rôle à nous, programmateurs, de proposer des belles choses de qualité quand on le peut, de prendre un petit peu des risques avec des choses aussi qui sont des coups de cœur et ce genre de choses-là. Et donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir aussi à toi et puis fais plaisir aux cinéphiles à travers ça en proposant du beau, du cinéma de qualité, voilà. Alors, on parlera d'ici quelques instants. Pour l'instant, ben, c'est un peu les affaires qui fâchent avec vous, Adèle, parce qu'on est obligé de parler chiffres. Alors voilà, les salles de cinéma peuvent réouvrir avec une cinquantaine de personnes ou alors, selon la taille, un tiers. Comment ça se passe pour Nyon, au Capitole ? Alors, là, on a deux bons films qui vont sortir. Et là, ça va être un tout petit peu compliqué pour nous au niveau de la petite salle. On aura quand même, je pense qu'on va refuser malheureusement de spectateurs. Mmh. Pour être clair, combien de personnes peuvent rentrer? Alors, dans la petite salle, on a plus ou moins 25 personnes sur 80 places. Mmh. Ouais. Et dans la grande salle, on est limité à 50. Ouais. Alors, notre perte, surtout sur la petite salle, on a deux films. Adieu le con qu'on va continuer avec et avoir la sortie. Il sera malheureusement dans la petite salle. Et là, on pense qu'on aura quand même des pertes, déjà les pertes financières par rapport aux consommations de bar, parce qu'il sera fermé, plus on perd au niveau des entrées. Comment ça se passe justement par rapport au Capitole? Parce qu'on sait que voilà, c'était plusieurs mois de fermeture. Aujourd'hui, ben, vous ouvrez, mais sans avoir la capacité pleine, sans les boissons, sans les consommations. On en est où pour la santé financière du Capitole? Le Capitole, je ne veux pas dire si tout est rose, mais on est dans une phase, ça reste quand même une phase assez critique. Mais je pense qu'il faut qu'on passe ces 3-4 prochains mois. On doit vraiment tenir bon pour la reprise avec des films américains, avec des films de commerciaux, il faut dire la vérité. Hein. C'est ça qu'on a besoin aussi au Capitole pour qu'on arrive à tourner. Pour l'instant, on a trouvé des rangements de nouveau avec la régie, le propriétaire, au niveau de loyer, pour les arriérés, des fermetures. Pour trouver un arrangement de paiement. Ça, on y est toujours en négociation, mais on avance bien. Maintenant, il reste au niveau de staff, on est aussi limité. On ne sera pas ouvert tous les jours, hein. On sera ouvert que le vendredi soir, samedi, dimanche et lundi. Il y aura 3 jours, on est fermé pour l'instant. D'accord. Parce que, voilà. On choisit de condenser, de répartir. Donc on entend ces préoccupations, Patrick, les préoccupations d'Adèle, du gérant du Capitole. Donc il l'a dit, hein, on attend finalement la sortie. Bon, vous misez sur la qualité, mais on attend finalement ces grosses sorties américaines. Oui, aussi, bien entendu. C'est vrai que du coup, à partir de la rentrée de septembre, ça sera, si tout reste planifié comme ça, qu'il n'y a pas d'autres problèmes de Covid, etc., qui continuent, ben, ça sera une super année. En fait, le dernier trimestre de cette année va être super. Quoi. Ouais, donc il faut attendre jusqu'à septembre pour les sorties américaines ou ça sera quand même un peu avant? Alors il y aura quelque chose, 2-3 trucs cet été aussi, pas forcément américain. Ben, il y aura Fast and Furious 9 qui marche toujours bien. Il y a OSS 117, le nouveau opus qui se passe en Afrique et qui devrait sortir en France. Ils ont envie de le sortir dès que ça rouvre, d'être un des premiers gros films français à ressortir. Donc on attend aussi ce film-là pour un peu plus tôt, du coup, pendant l'été. Il y a 2-3 choses aussi intéressantes. Comment ça se passe maintenant? C'est quoi les enjeux au niveau du marché? Il y a un gros embouteillage? Est-ce que voilà, les sociétés américaines, finalement, prennent le devant et ne laissent pas la place aux autres? Comment est-ce que toi, tu ressens? Non, alors actuellement, ce qui se passe, il n'y a pas encore d'embouteillage parce que les Américains ne sont pas là. Vu que leurs salles sont fermées, vu que leurs studios tournent au ralenti, réalisent au ralenti, ils ont plein de choses en stock. Quoi. On a plein de films qu'on attend. Et l'embouteillage va arriver quand tout rouvrira en France, aux États-Unis, où là, tous les films vont débarquer, tous les gros films vont débarquer à une semaine d'intervalle chacun. Ouais. Et du coup, là, ça va être le gros embouteillage. Parce que finalement, on est aussi un peu dépendant de la France. On sait que tout est fermé chez eux. Donc en Suisse, eh ben, on n'a pas le droit. Hein. Tant que la France n'ouvre pas, nous, on attend un peu sur eux. Quoi. Voilà. Et puis les distributeurs suisses, souvent, n'ont pas le droit de sortir leur film sur le territoire suisse
tant que le producteur en France ne leur donne pas le feu vert. Et ils ne veulent pas les sortir juste en Suisse sans que ça sorte en France. Bon, en tout cas, on a le feu vert du gérant du Capitole. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on veut retourner dans les salles de cinéma et puis on mise sur les qualités. Donc là aussi, c'est un appel à la culture autrement, mais en qualité, ça, c'est une bonne chose. Adèle Cité, Adieu les cons, qu'est-ce qu'on pourra découvrir d'autre? Alors, il va y avoir Drunk, qui a eu hier l'Oscar du meilleur film étranger, film danois, vraiment de très, très bonne qualité, très bien. Et puis, c'est un film qui est très intéressant dans sa façon de traiter l'alcool, mais aussi le lâcher prise dans la vie, comme ça, qui est très festif, mais aussi très émouvant. Donc, très, très bon film. Adieu les cons, va juste rappeler qu'il a eu 7 Césars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. J'ai programmé à côté de ça Adolescente, un film documentaire de Sébastien Lifshitz, qui a eu le César du meilleur film documentaire. Et puis, un coup de cœur personnel qui s'appelle Master Cheng, qui est un film qui se passe en Finlande et qui est en fait l'histoire d'un Chinois qui débarque dans un tout petit bled en Finlande où il y a un motel avec une dame qui fait à manger, une jeune femme qui fait à manger, et puis qui a un peu de la peine à avoir des nouveaux clients, puis tout est un petit peu perdu comme ça. Et puis il va arriver avec la cuisine chinoise. Et du coup, ça va un petit peu bousculer les habitudes. Et le film, c'est un film hyper bienveillant. Où tout est gentil, tout est sympa, il y a des très belles images de Finlande. C'est un film qui fait vraiment chaud au cœur et que j'avais envie de proposer aux spectateurs aussi. En tout cas, c'est très bien argumenté. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais on a vraiment l'impression que c'est un cinéma de niche ou c'est une autre manière vraiment d'appréhender le cinéma, ça se ressent. Oui, alors c'est en même temps un cinéma de niche parce que ça vient de pays dont on est moins habitué, mais c'est vrai que sur Adieu les cons qui vient de France ou sur Drunk, c'est des films qui de toute façon aurait eu un succès quand même assez important parce que c'est des films qui ont des prix, qui sont connus, etc. Donc c'est des films qui trouvent de toute façon leur public, même si on n'est pas dans les sphères d'une méga production hollywoodienne au niveau des résultats. Ouais, et en tout cas, tu as l'habitude de collaborer avec Alexandre Caporal qui nous entend en régie dans le milieu du cinéma. Et puis lui, il m'a avoué, c'était son coup de cœur, donc foncez voir justement ses productions. Adèle, pour résumer, on peut retourner au cinéma à partir de vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est ça? Lundi, exactement. le samedi, dimanche, ça sera une programmation de 4 séances dans chaque salle. Mmh. On aura 8 séances pour le samedi, dimanche. Et le vendredi et le lundi, il y aura dans 2 séances, 4 séances en total, en fait, de chaque salle de séances. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que sur les tout gros films, pour un peu compenser la limite d'accueil qu'on a dans les salles, on a mis plusieurs séances de Drunk et d'Adieu les cons. Donc voilà, on va essayer de répondre à la demande du public sur ces films-là comme ça. Mais on va aussi encourager les gens un petit peu à prendre leur billet en avance sur Internet. Comme ça, ils s'assurent une place dans la salle. Oui, à consommer local et en toute sécurité. Et surtout, revenir voir Gribouille au Capitole à Nyon. Oui. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente merci. Journée à vous. Merci. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 27 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.